Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. Et du coup, bienvenue à vous dans ce nouveau let's play sur les Sims 4 sur le monde magique dans les Sims avec notre petite entre guillemets famille, puisqu'on va considérer ça comme un sorte d'internat, une école de sorcellerie dont nous avons Minerva McGonagall qui est là. Elle est là, elle a quitté Poudlard, les gars. Elle a quitté Poudlard pour tout simplement être avec des jeunes filles, des jeunes sorcières. Voilà, qui viennent de familles différentes, entre des familles qui ne savaient même pas que leurs enfants avaient une part de magie en eux, et d'autres qui le savaient déjà. Et du coup, on va commencer le let's play. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi durant les lives, pardon, la conception de ce let's play, en gros, c'est une sorte d'internat. Je vais vous montrer. Bah, je pense que vous l'avez assez vu, je pense, dans l'intro, non? Mais en tout cas, voilà, c'est une sorte d'école magique où, en tout cas, elles vont apprendre la sorcellerie, etc., etc. Non pas loin de là, une école version garçon avec qui on pourra bientôt interagir. Mais bon, on va peut-être pas le premier épisode, on va y aller tout doux. On va commencer à leur créer des liens entre eux, voir qui aime bien qui, même si on se doute déjà un petit peu, vu que les chambres sont déjà choisies, entre guillemets. Et du coup, Capucine est venue dans cette école, elle est toute nouvelle. Elle n'est pas encore sorcière à part entière. Voilà, en termes de sorcellerie, elles sont toutes sorcières. Il me semble que McGonagall, je ne sais pas si elle est sorcière. Non, il va falloir que je lui rajoute la sorcellerie, j'ai oublié de la mettre en sorcière, mais ne vous inquiétez pas, c'est une sorcière également. Mais toutes les autres filles, à part Capucine, sont déjà sorcières. Ah bah parfait! Ah, Barbara et Capucine qui commencent à devenir amies. En plus, elles sont dans la même chambre, c'est parfait. De toute façon, on l'avait dit, hein, elles deviendraient de très 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 bonnes amies. On va du coup les faire, enfin, leur faire, enfin, les faire faire connaissance. Voilà, vous m'avez compris. Faire connaissance, tout ça. S'enthousiasmer à propos des centres d'intérêt. Donc, elles ont l'air de bien s'entendre. Déjà, ça, c'est cool. S'il y a déjà un bon feeling dès le départ, sans que moi, j'ai besoin de les faire devenir amis, c'est cool. On va bien sûr leur donner les lits, parce qu'il me semble que je leur ai pas réclamé. Donc, c'est déjà réclamé. Avec elle, du coup, dans la même chambre, nous avons... Ah, voilà, c'est Erza. Erza Solaya, qui est donc... on va lui demander de réclamer ce lit-là pour pas qu'elle commence à aller dans les lits des autres, etc. Elle, on va lui réclamer celui-ci. Avec elle, du coup, donc ça, c'est Jessica. Avec Jessica, nous avons Trixie. Trixie qui est là. Donc, elle va réclamer ce lit-là. Capucine, du coup, qui se mettra ici, comme vous avez vu dans l'intro. Le petit aménagement de la pièce, hein, puisqu'elle vient d'arriver. Il fallait bien qu'elle se mette à son aise. Et avec elle, du coup, Barbara dans le lit d'à côté. Bah oui, mince. On n'oublie pas Minerva quand même. Minerva, voyons. Minerva, sa chambre, elle est tout en haut. Voilà, elle est là. Elle a la grande chambre principale du manoir, ce qui est normal, puisque c'est la patronne, n'est-ce pas? Très belle chambre d'ailleurs, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette maison d'ailleurs. C'était pas moi qui l'ai créée. Hein. La maison, elle était déjà de base. Moi, j'ai juste modifié l'intérieur. Le rez-de-chaussée, à part la pièce là, j'ai quasiment rien modifié. J'ai surtout modifié au niveau des chambres, puisque les chambres, voilà, il fallait que je les modifie pour que ce soit fonctionnel, pour que tout le monde ait sa petite chambre. Ouais, bien écoutez, c'est un peu là. Ouh, ça c'est parfait. Jessica qui devient amie avec Trixie. Franchement, c'est parfait, parce que là, j'ai encore eu le temps de rien faire. Capucine, Barbara, elles commencent à devenir amies ensemble. À côté de ça, t'as Trixie et Jessica qui commencent à devenir amies ensemble. C'est parfait. Chercher des compliments, bah oui, forcément, c'est Jessica, elle aime bien avoir des compliments. Elles ont l'air de bien s'entendre quand même, elles ont l'air de plutôt pas mal s'entendre. Donc, premier épisode, ce sera surtout la rentrée en matière. Il n'y aura pas encore beaucoup, beaucoup de magie, je pense, dans ce premier épisode, puisqu'elle n'est pas encore sorcière. Voilà, elle vient d'arriver, on va lui laisser le temps de poser ses valises. En attendant, Barbara, que fait-elle, Barbara? Elle est en train de faire un lama, je ne sais pas pourquoi. Alors, vu qu'elles sont déjà sorcières, on peut leur demander, par contre, à celles qui sont déjà sorcières, de, par exemple, sortir leur familier. On va invoquer le familier. Comme ça, vous allez découvrir le familier de Barbara, qui est donc... Tadada, moi, je sais, mais je vous le dis pas. Vous allez voir quand il va apparaître. Qui est donc... Attention. Qui est donc une Barbara très concentrée. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je devais choisir. Ouais, ah oui, parce qu'on peut choisir plusieurs familiers. Qui est donc Wiesenheimer, je ne sais pas. C'était le nom de base, je trouvais ça cool. Du coup, je l'ai laissé... Et franchement, la chouette, elle est très, très,
très très belle, j'adore. Est-ce qu'on peut interagir avec le familier? Ok, on ne peut pas vraiment interagir avec, on va laisser de sortie parce que je trouve ça plutôt mignon. Alors, pour notre très cher Arza, on va sortir également le petit familier. Pareil, hein, de toute façon, on avait le choix entre trois familiers. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Elle a fait flipper, j'ai pas compris là. Du coup, une fée. Bon, pas de surprise, je suppose que pour Jessica, vous savez. D'accord. Vous savez quel est le familier qui a été choisi pour Jessica, hein. Je vais. Voilà, je vois pas. Bah, voilà, bah, qui s'appelle Jess d'ailleurs parce que Jessica, voilà, qui aime bien, tout est centré sur sa personne, du coup, forcément, elle a appelé son familier Jess d'ailleurs. Regardez, franchement, c'est très très mignon cette petite fée. Il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément apprécié. La première fois que j'ai découvert Monde Magique, c'était en live. Et du coup, il y a pas mal de gens qui n'avaient pas apprécié cette petite fée. Moi, j'aime bien. Parce que pour vous dire, j'aime beaucoup parce que mon jeu préféré de tous les temps, c'est Zelda. Et dans Zelda, la fée qui est donc Navi. Et d'ailleurs, toutes les fées du jeu ressemblent à ça en fait. Elles ont également cette petite orbe de lumière autour qui fait que l'on ne voit pas à proprement parler la fée. Il y a trop de, voilà, trop de lumière autour d'elle. Et voilà. Voilà. Alors, par contre, Trixie, elle a un autre familier que du coup, vous n'avez pas encore vu. Qui est donc, attention, et elle a le même que Ruby, qui est donc un corbeau, qui elle a appelé Noir, voilà, qui est très très beau aussi. Très très beau, du coup, pas de surprise, hein, puisque je viens de vous spoiler à la vampire, vampire. Pourtant, attendez, elle a magie. Oui, elle a vampire et magie, ouf, je me suis dit, ouais, je me suis plantée quelque part là. Allez, vas-y, sors ton familier. Il y aura tout le monde qui aura son petit familier, sauf notre chère Capucine. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous demander, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, quel familier voudriez-vous que Capucine adopte? Voilà, sachant que, du coup, au prochain épisode, ce sera sa quête pour devenir sorcière, puisqu'il faut savoir pour devenir sorcière, ça ne se fait pas comme ça si on n'est pas sorcière, entre guillemets, de naissance. Dans les Sims 4 ou à la création du Sims, eh bien, il y a une sorte de quête à réaliser pour devenir jeteuse ou jeteur de sorts. Et c'est ce qu'on va faire à l'épisode 2 avec Capucine. On va faire cette quête-ci comme ça. Moi, je pourrais la découvrir en même temps. Ça nous fera un petit peu du gameplay sympathique que je n'aurais pas encore fait. Ok, on va peut-être pas suivre Capucine jusqu'aux toilettes. On va lui laisser son intimité. Pour, du coup, toutes les autres Sims, on a sorti tous les familiers, je trouve. Sauf, ouais, ça fait beaucoup de familiers dans la pièce, mais j'aime beaucoup. J'ai bien envie de échauffer quelques esprits. D'ailleurs, on va demander peut-être à mademoiselle de se rhabiller parce que, comment dire que... Voilà, quoi. Je veux bien qu'elle s'habille, quoi. Voilà, habille-toi, jeune fille. Elle se promène, elle est en slip avec ses écailles à l'air. C'est bon, hein? Range tes écailles, hein, n'est-ce pas? Alors, on va échauffer les esprits entre eux, bien sûr. J'ai envie d'échauffer les esprits entre Ruby et Trixie. Tiens, c'est les, je pense, les deux plus fortes, entre guillemets, personnalités de la maison. Et on va échauffer les esprits entre les deux-là, parce qu'il faut bien qu'il y en ait qui ne s'apprécient pas forcément. Donc, on va la faire descendre en bas. Et Trixie également. Et d'ailleurs, elle voulait venir parler avec la sirène, avec Erzia, discuter. Ok, bah viens, c'est parfait. Viens, viens, viens. Et du coup, Ruby vient également ici. Et du coup, se moquer de la tenue. Voilà, va se moquer de sa tenue. Dire, ha, 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 c'est quoi cette tenue? Incendie, quoi? Attendez, où ça? Où ça, un incendie? Non, mais vous êtes sérieuses, les meufs? C'est qui a fait... On me dit pas que c'est Capucine qui a mis le feu. Il est où, le feu? Il est là! Ok, quelqu'un a voulu faire un barbuck. Allez, Barbara! Barbara, c'est la meilleure! Elle est venue, elle a éteint le feu. Ah là là, ça commence très bien. Et qu'est-ce qu'elle fait, Capucine? Mais d'un côté, elle a raison. Quelle est la meilleure façon de ne pas se faire brûler par le feu? Bah, c'est tout simplement d'aller dans la piscine. Bon, au moins, Barbara, elle est très courageuse. Elle est très très courageuse. Mais que cela ne change pas nos plans, puisque à la base, on voulait que Trixie... Elle s'énerve avec Ruby. Qui est Ruby? Et elle est où, Ruby? Ruby, elle s'en bat les steaks. Elle est partie manger. Voilà, faire venir. Ah! Trixie, reviens, Trixie.
On va aller dans le méchant, bien évidemment. Se disputer à propos de la musique, tiens. Voilà, parce qu'elles n'ont pas les mêmes styles musicaux, peut-être. Voilà, ça. Ouais, elles vont se prendre la tête, sinon c'est pas drôle. Je suis désolée, mais j'étais obligée. J'étais obligée. Regardez-moi cette tenue. Enfin, cette façon de se... J'aime beaucoup. L'impression limite qu'elles se disputent pas, qu'elles prennent la pause ensemble, quoi. C'est... Non, tu vas pas t'excuser. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire. Réaliser des interactions malveillantes ou malicieuses. On va pouvoir les faire. Méchant, raillé. Oh, en plus, être peu apprécié par The Sims, ça tombe bien. Bah tiens, tu vas te moquer un petit peu aussi de Capucine qui est en train de... Je sais pas trop ce qu'elle fait depuis tout à l'heure. On dirait qu'elle essaye de twerker, on sait pas. Elle essaye de twerker, regardez-la. Qu'est-ce qu'elle fait? On dirait qu'elle twerk. Mais arrête, Capucine. Arrête, non. Ah oui, allez, encore quoi. On y est encore pour un petit moment avant qu'elle arrête de twerker. Hein. Capucine, tu arrêtes de twerker, ça suffit. Ça suffit le twerkage. Tu rentres immédiatement à la maison. En plus, elle est dehors, elle va tomber malade. Elle va tomber... Le feu, ça fait 3 heures qu'il est fini, meuf. Hein. Le feu, il est out. Il y a 3 heures. C'est bon, c'est fini. Hein. Bon, elles sont toutes en maillot de bain, du coup. Elles sont parties faire un petit peu de nage. Moi, j'aimerais bien nager sous la pluie. Franchement, ça a l'air trop cool. Sauf s'il y a de l'orage. Là, par contre, non. Ok, qu'est-ce qu'elles font, mesdemoiselles? Alors, on a une sur la tablette. Elle est quoi? Ouf. Ouh, elle est en colère. Ouh là là, elle est en colère. Oh, Ruby, elle est en colère. En plus, attention, parce que vu que c'est une... Devenir une vampire. Non, elle est déjà vampire. Utiliser un ordinateur pour chercher des informations sur les vampires. Lire Encyclopédia Vampirica, volume 1. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de faire attention à sa soif. Et du coup, il me semble qu'on peut commander. J'ai l'impression qu'elle essaye de se déstresser en... Bah, tout simplement en faisant du jardinage, quoi. Du petit jardinage, hein, parce que là, franchement, tu m'étonnes. On va dire que Ruby, voilà, elle aime bien être solitaire, elle aime pas trop au niveau des traits de caractère. Elle est très solitaire, c'est une vampire solitaire. Elle est pas forcément méchante, mais elle a un caractère. Du coup, faut pas la faire yèche, quoi, tout simplement. Et clairement, on la fait yèche, là. Alors, Erza, notre petite sirène. Alors, rang actuel apprenti. Techniquement, elles sont toutes apprenties. Elles viennent tous de devenir sorcières, entre guillemets. Pourquoi elles sont déjà sorcières et pas Capucine? Puisque Capucine, on va dire qu'elle a découverte... en fait, elle vient d'une mère sorcière. Très, très connue, sa mère sorcière. Et son père est humain. Voilà. Donc, en fait, lorsqu'elle est née, son père n'était pas au courant que... Ben, sa maman, qui est malheureusement, hélas, décédée quand elle était assez jeune, n'a pas transmis à son mari, du coup, au père de Capucine, que c'était une sorcière. Et du coup, jusque arrivé à un certain âge, personne ne savait que Capucine avait des capacités en sorcellerie. Voilà pourquoi. Elle est arrivée plus tard que les autres dans cette école, et pour cela, il va falloir qu'elle fasse la quête pour devenir sorcière, c'est-à-dire aller parler apparemment à 3 mages, etc. Avant la bénédiction, j'espère que... j'espère que devenir sorcière, c'est pas trop difficile non plus, et que genre, c'est pas... Genre, on peut ne pas être accepté en tant que sorcière, vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, j'utiliserai un code si ça fonctionne pas, mais j'aimerais bien qu'on réussisse quand même. Donc on découvrira ça pour l'épisode 2. Et en attendant, c'est un peu voilà, l'arrivée dans l'école pour un petit peu apprendre à ce que tout le monde se connaisse, que vous puissiez un petit peu connaître tout le monde. Si vous voulez d'ailleurs également que je fasse des choses dans certains épisodes, n'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que vous voudriez que je fasse. Et du coup, on parle beaucoup des sorcières, mais Minerva qui donc n'est pas sorcière. Va falloir que je la mette sorcière, mais en attendant, pas forcément besoin. Elle est surtout là pour les... Voilà, pour être là un petit peu pour les engueuler si elles font des conneries, pour les remettre en place et leur donner des cours de sorcellerie. Donc nous sommes lundi. Ah, j'espère qu'il n'y en a aucune qui a un travail, j'ai pas fait attention à ça. Non, parfait, personne n'a un emploi. Elles vont rester à la maison. Minerva, elle va faire quoi? Prendre une boisson? Ok, va donc prendre une boisson.
J'ai bien envie de faire des choses. Alors, Jessica Spellman. On va la faire revenir ici. Faire une expérience. Allez bien. Et bien sûr, accompagnée de son acolyte Trixie. On va leur faire faire une expérience. Genre, voilà, personne ne leur a donné l'autorisation d'aller faire une expérience. Mais bon, c'est Jessica et Trixie. Elles aiment bien faire ce genre de choses. Mais elle est où, Trixie? Elle vient pas, Trixie? Ah, si, elle arrive, Trixie. Par contre, ça aurait été bien qu'elles mettent leur tenue de sorcière, au moins pour faire de la sorcellerie. Ce serait pas mal, non? Alors, il faut savoir qu'elles ont une tenue basique et une tenue de sorcière. Par contre, j'ai remarqué que leurs familiers ne sont plus de sortie. Est-ce qu'ils sont rentrés automatiquement comment dire? Il paraît qu'il y a quelqu'un de célèbre au cocktail. Oh non, c'est bon, ça ira. Bon, d'ailleurs, par contre, elles vont se changer à H24. Ah non, elle est... Ok. Alors. Du coup, qu'est-ce que ça fait de faire une expérience? J'ai l'impression que ça n'augmente aucune capacité. Ouais, apparemment, ça n'augmente aucune capacité. À quoi cela peut donc servir? Je ne comprends pas. Va falloir m'expliquer, hein, quand même. Hein. Ah! Ouf! Elle m'a fait peur! Elle a fait quoi, là? On m'explique de pourquoi elle est en train de se balader debout en sirène? Je comprends pas. Je comprends pas le concept. Mais elle m'a fait peur! Mais elle m'a fait peur, elle est en train de nager dans le sol. Mais tu m'as fait trop peur, meuf. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? J'ai eu trop peur. J'ai eu trop méga peur. J'ai pas compris pourquoi elle a fait ça, mais j'ai eu peur, en tout cas. Ah là là, faut pas faire ça. Bonjour, je vous contacte au nom de l'entreprise, Planeform. Nous aimerions vous envoyer un exemplaire gratuit de notre nouveau produit, les écouteurs HEETS. Si vous souhaitez en acheter d'autres, vous pouvez les commander en ligne sur un ordinateur. Nous fabriquons également un mur d'escalade roulant et proposons des vidéos d'entraînement à la télévision. Prenez soin de vous. Bah écoutez, ils proposent des écouteurs apparemment à Barbara, gratuits. Pourquoi, je ne sais pas, c'est une influenceuse? C'est une influenceuse? Qu'est-ce qui se passe, Barbara? Tu m'avais caché ton compte Instagram avec 1 million d'abonnés, c'est ça? Allez, moi, ce qui est gratuit, je prends. Hein. On va aller voir un petit peu du côté de Barbara, parce qu'il faut qu'elle m'explique pourquoi elle reçoit des écouteurs gratuits, quand même. Hein. Ben là, apparemment, je vois rien de... En aptitude, rien de spécifique. En termes de groupe, nous avons rien. Ça, c'est quoi? Commerce possédé? Bah, techniquement, elle n'a pas de commerce, on est bien d'accord. On va regarder dans son inventaire pour les écouteurs. On va mettre écouter du blues. Tiens, voilà, on va écouter du blues, on va voir un petit peu. Ah, ok. Et quand on s'éloigne, on n'entend plus. D'accord, je découvre les écouteurs dans les Sims 4. Allez, on va la faire danser, tant qu'à faire. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir son téléphone, consulter les réseaux sociaux. En termes de notifications. Par contre, cette danse, c'est pas possible. Ok, elle twerk des épaules. D'accord. Entre Capucine qui essaye de twerker après le feu et Barbara qui twerk des épaules. D'accord. Vas-y, enjaille-toi. Elle s'enjaille, parfait. On va la laisser s'enjailler tranquillement, il n'y a pas de souci. Je vais quand même regarder du coup. Hop, on va arrêter la musique. On va regarder un petit peu son compte. Ces réseaux sociaux, on va éteindre le casque parce que sinon on va entendre de la musique. Parce que ça m'étonne. Elle reçoit des écouteurs gratuits. Elle est en train de consulter ses réseaux sociaux. On va accélérer un petit peu. Une story, ça va m'indiquer le nombre d'abonnés que Barbara a. Ok, non, 12 abonnés au total. Non, bah je comprends pas. Je comprends pas le concept de recevoir des écouteurs gratuits comme ça dans les Sims. Il va falloir qu'on m'explique. La meilleure photo de tous les temps. D'accord, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'elle nous fait, Capucine, là? Alors, Trixie, elle dort. Erza. Elle dort aussi, par contre, elle dort dans la piscine. Elle va passer sa vie dans la piscine, vous allez voir. À chaque fois, vous allez vous dire, mais elle est où, Erza? Ben, Erza est dans la piscine. Voilà, donc Erza, Trixie, Barbara, on a vu Ruby. Que fait Ruby? Ruby, elle fait quoi sur la tablette?
Elle troll sur des forums. Ouais. D'accord, pourquoi pas. Je te pensais pas comme ça, Rudy. Jessica, elle est tendue à cause du feu. Encore une fois, elle est en train de se déstresser, la pauvre. Que dirais-tu de rejoindre le groupe des habitués? Non, elle va plutôt créer un groupe que en rejoindre un. Capucine, elle est en train de boire un café en parlant avec Barbara et Minerva. Et Minerva, du coup, est à côté. Eh bien, on va l'envoyer dormir. On va l'envoyer dormir. Voilà, tout simplement. Elle va aller dormir. Ah ouais, non, on va pas l'envoyer dormir, il est 15h. Moi, je pensais qu'il était tard, mais pas du tout. Ah là là, moi aussi, je vais être... C'est Capucine qui est en train de dire, ouais, j'ai trop hâte d'être demain pour aller voir... pour devenir une sorcière comme vous et tout. Minerva qui lui dit, il va sortir les poubelles, meuf. Barbara, on va lui mettre sa tenue de sorcière aussi pour voir. Et elle aussi, on va lui mettre sa tenue de sorcière. Parce qu'elles ont toutes une tenue sorcière. Voilà. Elle est trop belle. Trop belle Ruby, magnifique, j'adore. Elle est vachement belle Ruby. Capucine, elle a déjà sa tenue de sorcière, mais sa tenue de sorcière, vous allez la découvrir lorsqu'elle ira du coup faire sa quête pour devenir une jeteuse de sorts, donc une sorcière, tout simplement. Bah écoutez, pour ce premier épisode, je pense que je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup pour le prochain épisode, à part le fait qu'on va essayer de la faire devenir sorcière, ce qui serait déjà pas mal, ce que vous voudriez que l'on fasse de plus, également quelle famille choisir, et également si vous avez des idées pour des noms de familles. Voilà, et ça c'est ça quand on prend un café, après on a envie de faire pipi hein. Si vous avez une idée pour tout simplement le petit familier qu'elle aura. Et du coup, moi sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Gros bisous à vous. Ciao, ciao.